Et bonjour à tous, bienvenue dans la 19e découverte de la chaîne. On va aujourd'hui se pencher sur la mise à jour de Dirt Rally avec cette fameuse expansion Rallycross qui n'arrête pas de faire parler d'elle. Et durant ces prochaines minutes, je vais vous parler un petit peu des nouveautés qui sont arrivées, dont notamment la plus importante, le multijoueur est enfin disponible dans Dirt Rally. Pour les modes Rallycross, Hill Climb et Rally Classique. Et au-delà de ça, eh bien, il y a du contenu, enfin du contenu. Et j'ai envie de vous dire Welcome to Hell. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire bienvenue en enfer. Pourquoi? Eh bien parce que le circuit que vous avez actuellement sous les yeux, c'est le circuit de Hell qui se situe en Norvège. Alors il ne neige pas en Norvège, adieu les stéréotypes. Et vous voyez évoluer actuellement eh bien, une des trois nouvelles voitures proposées, la Mini Countryman Rallycross avec son pilote officiel, Liam Doran, le pilote américain. Et cette voiture donc est accompagnée de la DS3, la Citroën DS3 de Peter Solberg, ainsi qu'une Subaru WRX STI, l'avant-dernière génération de Subaru que l'on voit régulièrement en RX, trois voitures sous licence donc. Vous avez donc ce nouveau circuit que vous allez voir pendant encore quelques secondes qui va eh bien, être ajouté au contenu de votre jeu gratuitement. Je vous le rappelle, si vous avez acheté Dirt Rally, c'est gratuit, c'est mis à jour. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, c'est dans la description. Achetez Dirt Rally sur gamesplanet.com, c'est même moins cher que sur Steam à l'occasion. Les autres nouveautés, eh bien, elles ne sont pas minimes quand même. Il y a la pluie, ça y est, le rallycross peut avoir lieu sous la pluie. Alors c'est une vraie partie de rigolade. Quand vous avez votre voiture qui eh bien, est totalement incontrôlable, il faudra passer par la case setup si vous pilotez sous la pluie en rallycross. Le rallycross qui également eh bien, faisait tâche avec des adversaires un petit peu à la rue depuis sa mise à disposition dans le jeu, eh bien c'est corrigé avec la remise à niveau des niveaux de difficulté des IA. Maintenant c'est un peu plus compliqué de se défendre en peloton. Quoi d'autre? Eh bien vous avez des nouveaux événements quotidiens qui viennent s'ajouter sur le site RaceNet et sur le jeu forcément. Vous avez l'option vraiment en avance, hein, traduit very early. Dans la distance à laquelle votre copilote 2, puisque c'est toujours une voix féminine, vous annonce vos notes en spécial. Voilà, pas mal de nouvelles choses qui ont été ajoutées comme des assistances ou des tips, des informations pendant les temps de chargement. Voilà un petit peu, des améliorations également au niveau de la gestion de l'embrayage qui peut également être activée avec une boîte automatique, c'est assez intéressant. Enfin bon, il y a pas mal de nouvelles choses qui ont été inscrites. Normalement maintenant vous pouvez voir aussi le meilleur temps effectué en manche de rallycross, donc c'est pas mal. Donc vous allez avoir trois plans dans cette vidéo. D'abord le plan sur le circuit norvégien avec la Mini Cooper, ensuite vous allez avoir eh bien, le deuxième plan qui est une course rapide sur le circuit britannique avec la Subaru WRX, et on va terminer en Suède avec la DS3 pour Peter Solberg. Pas mieux que la Suède effectivement, avec des conditions météo différentes. Vous voyez que c'est assez jouable. Alors il faut savoir que ce que vous voyez là, c'est mon premier run sur ce circuit norvégien et mon premier run avec la Mini, et elle a un comportement encore différent de ce qu'on avait jusque là. Bienvenue dans la météo typiquement britannique, hein. On est en Angleterre pour une manche avec seulement 4 pilotes. On était en phase éliminatoire avec donc cette Subaru WRX qui est sympathique à piloter mais qui n'est pas très atypique. Ça reste assez classique de ce qu'on a dans les voitures de rallye. Sincèrement, c'est pas un comportement exceptionnel face aux autres. Vous voyez ici on est en mode difficile et c'est déjà une autre manière de se défendre face à nos adversaires qui eh bien, ont plus de logique, un peu plus de résistance aussi. Par contre les replays sont toujours aussi plaisants à consulter à chaque fois que vous terminez et que vous passez la ligne d'arrivée. Donc voilà, c'est le plan un petit peu météo, hein, puisque là vous voyez que là on est en condition pluie. Alors vous avez toujours les conditions nuageuses etc, mais maintenant la pluie vient s'ajouter et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ici on est bloqué dans le tour joker, hop, et on va s'en sortir, on va terminer dernier sur cette manche. En tout cas je vais vous laisser profiter également des sons de ces voitures. On va se laisser ici pour ce qui est de la présentation de ce mode. Vous pouvez donc acheter le jeu dans la description pour eh bien, vous aussi vous battre en multijoueur puisque c'est maintenant possible. Sur les sessions de rallycross, il y aura peut-être une vidéo d'ailleurs sur le multijoueur, il n'y a pas de raison. Et si je croise quelques viewers sur Steam, eh bien on va vous inviter à faire une petite partie. Allez, c'est lancé, l'invitation est lancée, donc n'hésitez pas à m'ajouter toutes les infos dans la description. Merci les amis d'avoir suivi ce petit descriptif de la mise à jour, et on se laisse sur ce plan-ci d'une manche de finale en Suède avec Peter Solberg et sa DS3. Et je vous dis à très vite sur la piste, salut.